Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent97826 de la chaîne Laurent.gaming. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, car je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur Arc Primal Fear. Donc je suis sur mon serveur et nous sommes donc avec des rates de, en x5 pour l'XP, en x10 pour le farm, en x5 pour l'apprivoisement. Donc voilà. Ah, un event qui vient de commencer. Ok. Donc là on avait commencé à se faire dans l'épisode précédent donc un début de base. Hein. Clairement, ouais, je suis content de voir qu'il est encore là, donc ça c'est cool. Là, je vais faire le toit, hein. Je vais le faire en hors caméra, clairement, parce qu'il n'y a, bah, a pas besoin de qu'on le fasse ensemble. Hein. Faire un toit, vous savez ce que c'est, hein. Donc voilà. Donc je vais faire le toit. Et puis bah, on va se reprendre après pour donc aménager au plus vite l'intérieur, c'est-à-dire pour récolter un peu de métal, faire les forges, enfin tout le bordel. Pour faire l'atelier et la table, l'atelier de Primal Fear tout simplement. Bon bah les amis, je vous reprends tout à l'heure. Donc les amis, ça y est, donc on a fait notre toit, hein. On a fait quelques fenêtres aussi parce que je trouvais que c'était assez sombre, mais en fait ça reste assez sombre quand même, hein. On va pas se le cacher. Donc tout de suite ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un feu parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de viande, enfin de viande cuite. Donc on va se faire un petit feu, le petit feu on va l'installer ici, on va voir si on peut faire un petit feu S+. Donc là, donc on va s'en faire un, on va se faire une grande armoire, je sais pas si on l'a, je pense pas qu'on a le niveau pour la grande armoire. Ah si, nickel, grande armoire de stockage, on va faire celle-ci, voilà. On va déjà faire ça. Donc l'atelier, on va faire une forge. Est-ce qu'on a assez pour faire une forge? Déjà, est-ce qu'on a débloqué le schéma de la forge? Les forges, ouais, c'est ici. Et d'accord. On va faire, on va voir si on peut faire une forge, ça serait bien. Donc non, il va nous manquer quoi? De la peau et de la pierre, d'accord. De la peau, ça va peut-être être un petit peu galère tout de suite. Bon, on va essayer quand même. On va se mettre à la vitesse, voilà. Putain, j'ai pas mis en plus le mode pour tout déverrouiller les engrammes, c'est marrant qu'il y soit. Bon, là tout de suite, on va poser nos petits trucs. Là, on va se poser le feu. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, dedans, on va mettre... la moitié du bois, ouais, divise moitié, on va mettre la moitié, voilà, et on va mettre la viande, voilà, et on va allumer, on va commencer à faire cuire tout ça, ça nous fera aussi un petit peu de lumière. Donc on a fait une armoire, l'armoire on va peut-être se la mettre là pour le moment, dans le coin ici, ça sera pas mal, là, hop, on va peut-être un peu plus la serrer là. Même un peu plus là, comme ça. Là, je pense que c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc on a l'armoire, on a notre petit feu de camp, c'est parfait. Et puis donc là, on va prendre tout ce qu'il nous faut donc pour. Faudrait qu'on élève aussi des, qu'on capture des dodos. Ouais. Donc on va tout transférer là-dedans. Ok, accepté. Donc nous, on va reprendre toujours nos spires. On va se reprendre, on a un peu de métal, parce que le métal, il y en a juste à côté en fait. De la peau, on en a 21, on a passé, on a une bolasse. Voilà. Est-ce qu'on a des Primal Fear bolasses? Donc ça c'est les bolasses. J'ai pas mis, est-ce que j'ai pas mis le mode réutilisable? Je crois pas qu'il y ait de bolasses dans le mode Primal Fear. Si on tape Primal. Et non, il y a pas. Pardon. Non, il n'y a pas, tant pis. Ok. Donc on va se prendre les bolasses. Juste au cas où s'il y a un Ptera dans le coin. Voilà. Et là, ce qu'on devrait faire en priorité, en fait, c'est peut-être pas la peau. Mais c'est d'essayer de voir si on peut loot... si on peut se faire... Oh putain, j'ai soif. Une cabane à castor en speed. J'ai soif, j'y vais. Voilà. Si on peut loot une petite cabane à castor. Ah ouais, mais en fait
pour venir chez moi là, c'est ouais, c'est un petit peu galère. Faudrait peut-être que je mette un truc pour monter. Sinon, je serais obligé de monter par là. Waouh! Donc la toxique carbo, elle est inoffensive, ça c'est bon à savoir. On va peut-être prendre ça. Ok. Un toxique dodo, vous croyez qu'on peut l'avoir? Ou on meurt? Il fuit là, je rêve pas. Ok. On n'a pas le. Elle est fort le son. Hein. Bah écoutez, on va le tuer. Parce qu'on n'a pas de croquettes toxiques. On n'a pas de croquettes. Pas, ouais, des croquettes pour tame les toxiques. Donc de toute façon, allez hop. Je sais pas de combien de PV il a. Ouais, c'est bon, sa vie elle descend assez vite. Voilà. Donc on va prendre peut-être la pioche pour voir si on récolte pas un peu de blood, mais je crois pas qu'on récolte de... Ah si, deux toxic blood. D'accord. Ok. Donc en fait, un coup de spear et il trace. Ça c'est cool, c'est bon à savoir. Donc nous, faut qu'on traverse par là du coup. Je crois, je suis pas sûr. Ouais, il me semble que c'est là-bas. Non, dis-moi pas que je crève encore de soif. Non mais c'est pas vrai. Non, on vient de boire et c'est pas. Putain, c'est incroyable. Il se fout de nous le jeu là. Là où il y a tapé de Jera, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Fatigué, en plus de ça. On va racheter cabane à castor. En plus j'ai posé tous mes fruits. Du coup on a vraiment plus rien pour boire. C'est possible qu'on meure 50 000 fois là. Est-ce qu'on peut boire là-dedans? Ouais, mais ça pue la merde. Ah putain, il y a l'origine. Il m'a aggro? Non, il m'a aggro, Zébil. Ah la vache, il aggro de loin. Et là-bas, elle est bloquée. Nickel, on a réussi à le semer. On va reprendre notre stam, il n'y a pas de. Elle est énervée, hein. Il est juste à côté de chez nous. Putain, il faudrait qu'on puisse. Rien que prendre un petit peu de. Déjà, on a bu, c'est pas mal. Une cabane à castor, ça serait cool. Même reboire. Pas de cabane. Il y en a une là. Il y a plein de castors à côté, on va peut-être reprendre notre énergie avant. On va pas faire le con. On va reprendre l'énergie et on va loot tout ce qu'il y a dedans. Allez hop, c'est parti. Et niveau combien, je sais pas. Mais on s'en fout, clairement. Hop. Et on trace. Normalement, il devrait lâcher l'aggro. Je pense pas qu'ils nous suivent jusqu'à chez nous. Par contre, on va essayer d'esquiver l'origine. Très clairement, j'ai pas envie de retomber dessus. Donc déjà, on a le ciment. C'est plutôt pas mal. Faudrait pas qu'on meure là, parce qu'on a plus de bouffe. C'est ballot, j'ai rien pris. Là, on va essayer de manger un petit peu. Il y a quoi? Ça. Voilà, ça va nous requinquer un tout petit peu.
le temps de partir chez nous. Cool, maintenant j'ai soif. Mais on est à côté, ça c'est bon. Déjà, on a le ciment, on va pouvoir. Faut qu'on fasse une gourde, clairement. Qu'on remplisse ça parce que on va pas s'en sortir sinon. Fasse gaffe, là, il y a pas mal d'araignées aussi dans le coin là. Normalement, on est juste en dessous par là, là. Putain, sérieux, l'énergie et tout. Il y a tout qui va pas très bien. Là, normalement, on est juste ici. Et on va tomber dans l'eau. On a une patte cassée, mais on est bien. Ça. Voilà. Nous, on va manger un petit peu. Hop. Tac. Parfait, ça va nous requinquer un petit peu. Nickel. Donc là, on a tout. Niveau disponible. Allez, on va se remettre un petit peu de stam. Voilà. Et on va se remettre rien du tout. Ok. Donc là, on a 250 de ciment. Putain, il y avait bon de ciment dans la table. Déjà, on va faire priorité à la personal grave. Il nous manque quoi? De la pierre. Bon, on va prendre la pierre. La pierre, c'est pas ce qui manque. On va prendre ici. En plus, ça donne du métal, ces pierres-là. Ça, c'est le top. Voilà, on va récolter ça comme ça. On va récolter directement la pierre ici. Voilà. Ça va. Donc là, on est plutôt pas mal. Niveau pierre, niveau métal, niveau tout ça. Donc là, on va pouvoir se mettre la petite personnelle grève qui va bien. Le truc qui change la vie. Hop, nickel. Et est-ce qu'on peut faire les forges? Les forges, j'ai pas la peau sur moi, donc on va reprendre la peau. Donc, hop, déjà, on va placer ça. On va la mettre ici. Ouais, comme ça. Non, pas en face de la fenêtre. Ici, ouais, c'est pas mal. Ouais, comme ça. Là. Allez, hop, nickel. On a notre personnel grève. Ensuite, la forge. Est-ce qu'on a. Ouais, on a combien de peau? Ah, c'est vrai, c'est de la peau comme ça. Donc, clairement, on n'a pas assez de peau. Donc, ça va périmer. On s'en fout. Ça. Ça, on met dedans. On met dedans, on met dedans. On met dedans. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Et la viande, on va la faire cuire et on va essayer de tuer une petite bébête pour de la peau. Donc ça, on met là-dedans à cuire, ce sera très bien. Voilà, on va prendre la spire. Est-ce qu'on se fait une gourde? Moi, je dis ouais, qu'on pourrait se faire une gourde peut-être même. On va prendre ça. J'ai mal, la gourde, ça s'appelle comment? Gourde en pot, tout simplement, et il faut de la fibre. Hop, on prend la fibre, on va s'en faire une. On va même se faire ça, histoire de ça et ça. Voilà. Donc, on va déjà prendre ça. Voilà. Tac. La gourde, on va la mettre
ici. Là. N'importe quoi. Et le torse. Ok. Ça, on va le retransférer. Et ça aussi. On va garder la nourriture. On va remettre hop, un point dans l'attaque. On va pas tout mettre dans la speed non plus. Voilà. C'est un peu chiant quand même. Ça, faut pas monter ces niveaux quand il y a du monde parce que. Bon, le souci, c'est les dodos. Où est-ce que je pourrais les trouver, les dodos? Peut-être par là. Hein. Toi, déjà pour la chitine. Meganera. Oh. J'ai la gourde, mais je l'ai pas remplie. Un petit peu con, quoi. On va se remplir ça parce qu'on va crever de soif tout le temps. En boucle. Voilà, et la gourde. Voilà, c'est parfait. Allons à la chasse aux dodos. Il n'y en a pas dans le coin sinon par là. Putain, ce serait bien, il y aurait eu des dodos ici là. Ça aurait été cool. Ok, ben moi le temps que je trouve un dodo, je vais faire une petite pause et on s'en reprendra dès que j'aurai tout. Allez, à tout de suite les amis. Les amis, je reprends parce que juste là il y a un petit terra et franchement si on pouvait se le faire, il n'y a pas trop de cons en plus dans le coin, ce serait pas mal du tout. Mais voilà, il est reparti. Nous on recrève de soif. Ah, fait chier. Après là il y a un truc là. Il y a un cerf, un mégalocéros. J'en entends un autre là. Ah putain, c'est un alpha lui par contre, on n'a pas ce qu'il faut. Par là c'est mort. Ouais bah non, bah c'est clairement barré en fait. Hein. Ah putain, il y en a un qui est tombé à pic là-bas. Et... Ah non, c'est un Tapajira. Putain, c'est pareil, il va falloir une plombe pour le tame, si on peut le tame en plus. Ouais, puis la salle de Tapajira, ça va être trop long à faire, on n'a pas le niveau de toute façon. Écoutez, on va se faire peut-être le Mégalocéros. Pas en tant que monture, mais je sais pas si ça donne de la peau ou que de la fourrure. On va voir. Nickel, il est bolas, donc... Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, il est que level 20. Il dort, c'est parfait. On va l'achever à la hache. Un petit peu plus long. Vous allez me dire, ça aurait pu faire une monture, mais non, en fait. Ça, c'est... Mis à part le Ptera, sinon tous les dinos qui sont Vanilla... Ça sert strictement à rien. Il se ferait one shot. On a de la peau. La peau, de la fourrure. Hop, tout ce qu'il nous faut, bah, c'est impeccable. Là, on n'a plus que donc à rentrer. C'est parfait. Bon, le terrain, on essaiera d'en prendre un plus tard. De toute façon, il y a... Et putain, puis il y a un alpha là-haut. De toute façon, il faudra des dodos obligatoirement pour les œufs. Hein. Enfin, il y a aussi les terras, mais. Il y a l'eau qui diminue à une vitesse d'ailleurs. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points dans l'eau, dans l'hydratation. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. Donc là, on va pouvoir faire la forge. Je vous reprends dès qu'on est à la base. Bon, nous y sommes, on va pouvoir faire nos forges. Les forges, on pourra faire combien? Déjà, faut qu'on reprenne la pierre qu'on a. Bam, tac. La pierre, on a de ça. La peau, on a quasiment plus rien.
D'accord, on a, du coup on a 98 de peau, c'est pas mal. Là, on va faire hop, schéma, la forge. Si on pouvait en faire deux, ce serait top, mais là, clairement, je pense pas. Puis en plus, il nous manque de la fibre, du bois, de la fibre et du silex. D'accord, bah, on va se prendre tout ça. Et la peau, non, 65, on pourra faire qu'une forge, mais enfin bon, pour le moment, pour commencer, pour le début, ce sera pas mal. Hein. Donc de la fibre, du bois et du silex. Voilà, schéma, forge. Allez là. SP, on peut en faire qu'une, ouais, bien sûr. Il nous reste 33 de peau. Impeccable. Donc, elle, on va la placer par là-bas. Le son est un peu fort, hein, quand même. On va pas se le cacher. On va la placer là. Voilà. On va pouvoir y mettre le métal. Maintenant. Ça, c'est parfait. Métal, on a déjà 38. On va pouvoir farmer le reste. Hop. Ouais, on va tout mettre là. De toute façon, ouais. Le bois, bah, on va mettre tout le bois. Et hop, on va allumer. Nickel. Je suis con parce que depuis tout à l'heure, je me fais chier à machiner, mais on peut pull directement les trucs avec S+. Et ça, c'est bien. Donc, ça, on va pouvoir le poser. Ça aussi. On a un petit peu de peau, un peu de pierre. Tac, tac. La viande, on va peut-être la mettre à cuire. Quoique, je sais pas. Ça allumait, F. Faut qu'on fasse un preserving fire. Ouais, un preserving. Ah ouais. Ça, on va prendre. Voilà. Tac, et on va se faire un preserving. Est-ce qu'on peut le faire au moins? Preserving. N'importe quoi. Hop. PR. C'est donc ici. Là, il va nous manquer quoi? Du cristal, ok. De la peau. Ah merde. C'est pas. C'est vrai, 45 de peau, je sais même pas si on les a maintenant. Bon, ça, on peut le faire. On poule. Tac. Ah, il manque le bois. Bah ouais. Le bois, je l'ai mis dedans. Ah, pourtant, je l'ai. Ouais, c'est que ça le retire pas un coup qu'il est dans le. Bah, ok. Bon, on va chercher du bois. Dommage, je l'aimais bien, cet arbre, mais enfin bon. Pop, hein. En tout cas, il donne bon. C'est quoi? C'est un arbre qui nous reste là-haut? Ouais, ça doit aussi, il est beau. Ok, donc on a ça. Qu'est-ce que. Ouais, le preserving donc. Hop. Il va falloir faire de la poudre d'étincelle du coup. Il va falloir faire le pilon aussi. D'accord. Ok, donc prêt. Hop, c'est là. Tac. Maintenant et on peut le faire. Ensuite c'est le mortard. Non, c'est avec retard directement. Retard, voilà. Retard de pastel. La peau, 15 de peau. Bah, de toute façon il va falloir qu'on aille reprendre de la peau. Ok, bon, ça il nous en faut un, hein. De toute façon c'est capital. Hop. Ok, et donc si on fait tac, ça, ça, si on pull tout, il va nous manquer lingot de métal, ok, pierre, peau, cristal, bah, il nous manque de tout, ok, bah, comme ça, bon, déjà, de toute façon, on va pouvoir poser ça, tac, ça, on va le poser ici, pour le moment, ce sera pas mal, ça, c'est dommage, on voit pas quand il est rentré dans le mur, donc, du coup, à chaque fois, ça le pose dégueulasse, c'est pas grave, là, il est posé comment? Ah, bah, putain, pour une fois, ouais, ça va, il est pas trop. Wow, j'ai eu un lag, pas trop mal. Juste à côté du feu ici là, on peut mettre le mortard, on va le mettre là. Tac. Hop là, et dedans, on peut. Ah, il n'y a pas de schéma. Donc on va faire ça pour en faire 100. Tac. On pull. Ah, on peut en faire que 50. C'est l'effet par un ou pas? Non, c'est bon.
D'accord. Bah voilà. On va monter notre niveau. On va remettre en hydratation les deux. Voilà. Donc là, normalement, au niveau de l'eau, on devrait être pas trop mal, hein. On devrait tenir un peu plus. Au niveau de la viande, c'est pas un souci, on en a constamment sur nous. Là, là, là. Et donc, ce qu'il nous faudrait maintenant, bah, c'est de la peau. La peau pour pouvoir après enchaîner. La forge, elle en est où? Si on pouvait faire notre atelier maintenant. 12 lingots, c'est largement assez bon. Bah, on va pouvoir faire l'atelier. C'est le Smithy, je crois, en S+. S. Point virgule, c'est. Non. Ça, le M, je sais plus où il est. Voilà, d'accord. Smithy, il est là. Il va nous falloir quoi? Ah, tu rigoles, 20 pots. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Si je poule. Ah, pierre, et 2 de pots. Non, oh, c'est une blague. C'est une blague. Donc, bah, du coup. Métal, on n'a pas besoin. On peut le reposer là. Hop. Ok, bah, je vais voir si je peux récupérer un petit peu de peau. Et puis je vous reprends tout de suite, les amis. Bon, ça y est, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais comme vous pouvez voir, j'ai été tué par un raptor alpha. Donc on va respawn dans notre lit. C'est bon, j'ai eu la peau. Putain, j'étais dégoûté, j'avais endormi un dodo, malheureusement c'était un mâle, donc bah du coup hein, ça ne servait strictement à rien. Donc voilà, parfait. La petite personnelle grave, ça c'est le top, franchement, c'est le top. Donc ça je jette, tout ça je jette. Ça je jette. Faudrait que je mette de plus avoir les skins là parce que clairement c'est chiant. Voilà, nickel. Donc on va pouvoir s'habiller de nouveau. Hop, hop. Ouais, clairement, franchement, la vie, ça sert à rien d'en mettre. Hein. Les comment dirais-je? Bah, les dinos, hein. Les dinos, ils one shot. Hein. Raptor Alpha sur sa gueule, c'est direct, c'est instant. Donc tout ça, je pose, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'il fallait qu'on fasse, donc c'était un atelier. C'était les deux ateliers en fait. Ah non mince, faudrait qu'on aille prendre du cristal. Bon, on va se faire l'atelier normal déjà, le Smithy. Voilà. Et puis dans le prochain épisode, on fera celui-là, l'atelier, le Prima, le Smithy. Mais déjà, on va se faire lui. Et il nous manque de la pierre. Et ben la pierre, on va la prendre tout de suite. Ah merde, il manque quoi pour la hache? Pour la réparer. Il va manquer. Bah de la pierre, hein. Ah, on n'a plus de pierre du tout en fait. D'accord. Ah ouais, elle est toute dans le. Ok. Bah. On va prendre la pierre qui est ici. C'est dommage, c'est du métal. Voilà, ça peut-être aller là. Il va manquer quoi? Donc branchage et bois. Ok. C'est pas un souci. Donner un petit coup là-dedans et on aura ce qu'il faut. Voilà, parfait. Donc là, normalement, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Donc de la pierre, clairement, ça me fait chier, j'ai pas pété celle-ci. On va prendre celle-là. Là, faudra que je fasse un truc pour monter parce que c'est galère. Là, on va être bien en pierre. Voilà, parfait. Hop, et là on peut faire notre smithy. Hop, le smithy, on pose tout. Et c'est impeccable. On va le mettre à côté. Là, on s'en fout si c'est collé, si c'est pas collé, l'espace qu'il y a. Hein. Juste faire. Voilà, comme ça. Non, là c'est plutôt pas mal. Il est un peu de travers, mais pff, voilà, c'est pas grave. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire nos premiers. Là. Il n'y a pas S+, pioche en métal et tout le bordel. Non, ça n'existe pas ça.
Ok. Donc celle-là, ampoule pour en faire une. Voilà. Ça, ampoule pour en faire une. Voilà. La faucille, hop, ampoule, on va en faire une. Non. Pourquoi? Lingot de métal. On a pas assez de lingot de métal. D'accord. Bah, ce qu'on va faire là, tout de suite, c'est déjà on va remplacer ces trucs de merde là. Voilà. Ça, on va pouvoir le jeter. On n'en a plus besoin. Ça, on peut le jeter, on n'en a plus besoin. Et là, on va casser du métal. Hop. S'en donne pas des masses et des masses, dis donc. S'en donner plus avec une pioche en pierre, je crois bien. Clairement, hein. Ouais, clairement, je crois bien que ça en donne plus avec une pioche en pierre. On va voir ça tout de suite. Peut-être parce qu'il faut plus de coups, et du coup, étant donné qu'il faut plus de coups, ben, ça en donne plus. On va voir ça tout de suite. Hop, je prends la pioche. On va prendre celle-là. Hop, on va essayer. Voilà, la vieille pioche toute pourrie. Si c'est ça, je serais un petit peu dégoûté, hein. Non, clairement non. Non, bah en fait, celle-ci est mieux. Et celle-ci, on peut la jeter. Voilà. On va mettre notre bois à fondre. Notre bois à fondre, n'importe quoi. On va mettre notre métal à fondre. Voilà, ça en fera un petit peu déjà. Ce qui en soit plutôt pas mal. Donc les amis, hein, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, ça ferait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et il y a aussi un autre truc que j'ai envie de vous dire, c'est maintenant, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois, je suis en partenariat donc avec Instant Gaming, et franchement, ils ont des jeux qui sont super, donc et à des prix franchement pas chers. Donc ben, allez donc voir un tour, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc allez faire un tour dessus, moi en plus ça va m'aider, ça m'aidera pas mal. Hop, on va prendre ça aussi, on va le mettre dans le bidule là, histoire que ça se conserve un petit peu, voilà. Il y en a que ça en laissant, j'espère qu'ils vont faire l'affaire. Ok. Donc bah les amis, hein, comme je vous ai dit, hein, un petit pouce bleu, un abonnement. Et puis bah, sur ce les amis, on se dit à la prochaine. Ciao, bye!